Yo tout le monde, ici Super Mokolo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous fournir Battle Royale. Donc aujourd'hui, voilà, on se retrouve pour faire les défis. Donc, les défis chronomètres. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en gros, en fait, les défis chronomètres, on doit prendre un chronomètre qui est sur la map et on a 8 autres balises à trouver. Donc, c'est pas vraiment des trucs très difficiles. Hein, voilà. Donc, comme on peut le voir, voilà, le premier se trouve à Retail Road. Donc, c'est de prendre un chronomètre, de l'activer et de récupérer 8 autres balises qui peuvent se trouver n'importe où, qui peuvent se trouver en l'air, sur terre, sur l'eau, dans les airs, sur les buissons, dans les arbres. Donc le premier n'était pas vraiment compliqué, donc il se trouve à Retail Road. Voilà, il n'y a pas de souci à se faire pour le premier défi. Alors le deuxième, par contre, il se trouve vers le fleuve à Shifty Shaft, hein. Donc vers le fleuve de Shifty Shaft, voilà. Donc malheureusement je m'étais fail la première fois, mais la deuxième fois je l'avais réussi quoi. Donc voilà, on a récupéré un peu plus de matos, j'ai activé le deuxième chronomètre. Et là comme on peut le voir, en fait il fallait faire des escaliers donc pour pouvoir réussir à avoir le chronomètre. Et bien entendu, eh bien je l'ai réussi avec succès pour le dixième chronomètre. Alors le troisième il se trouve donc vers le... comme je le dis, la ville chinoise, hein, donc, et l'oasis vers Risky Reels. Donc, si vous préférez, entre Fatal Field plutôt vers Fatal Field et Paradis Palms. Voilà, je me suis trompé entre Paradis Palms et Fatal Field. Et ben, l'oasis se trouve là. Donc, ça peut, le chronomètre, en fait, tout simplement, se trouve à peu près pareil vers cette direction. Donc le chronomètre se trouve en bas, donc je récupérais un petit peu de matos et voilà, tout simplement. C'était pas très compliqué. Donc pour le quatrième, il se trouvait vers Dongdongsan, donc vers la statue Moai, donc qui est pas trop loin de Dongdongsan, qui est sur la droite, un peu en bas à droite de Dongdongsan, donc il y avait la statue Moai. Malheureusement j'ai dû la péter vu que j'avais plus assez de construction, mais je pense que vous savez tous à quoi ressemble les statues Moai sur Fortnite. Donc voilà. Alors la cinquième, elle se trouve à The Lodge. Donc voilà, donc elle se trouve sur le toit de la grande maison, tout simplement. Donc j'avais fait la première fois, mais je ne l'ai préféré pas vous le montrer pour éviter que ça fasse donc voilà. Alors, bien entendu, j'espère que cette vidéo sur les défis chronomètres vous aura plu. Si c'est le cas, tu commences. Et moi, je vous dis à tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. Ciao, ciao.